Passe ici. Tu es mort. S'il te plaît, mec, j'allais t'appeler, je te jure. Je te jure que j'allais t'appeler, mec. Je ne suis pas en train de te fuir, mec, je te jure. Je t'assure, mec, j'essaye pas de t'éviter. Où est mon argent? En fait, le dealer, mec, le dealer. Le dealer a pris l'argent. Mon argent. En fait, je vais le récupérer. Oui, je vais le récupérer dimanche. Ouais, dimanche, mec. Je sais que tu peux vouloir me tuer. Mais je ne voudrais pas que quelque chose arrive à ton frère. À dimanche. Thank you.
j'ai pas d'argent. Je devrais lui apporter quelque chose, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est ma meilleure amie. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci si tu n'as pas d'argent. Tu sais... Donne-moi une minute. Que dire? Mon père a une banque dans sa chambre. C'est vraiment beaucoup d'argent, tu le sais. Ça arrive souvent. Joyeux anniversaire. Merci. Je te pardonne. Joyeux anniversaire, Paris. Merci. Prends place. Assieds-toi. D'accord, merci. Dis, où sont les autres? Je t'avais pourtant dit que ce n'est rien de grandiose. Et il est passé où, Roladé? Dis. Roladé est... Quoi? Il est allé à l'aéroport. Et pourquoi ça? Chercher Basile. Oh. Femi, je reviens dans un moment, ok? Je voudrais juste lui parler un instant. Pas de problème. Oh. Quoi?
Tu ne m'as pas dit que Basile était arrivé, dis donc. Ma chérie, je pense que mon cœur n'a pas voulu partager ce scoop. Oh là ! Quoi ? Tu as un petit ami. Oui, mais ça fait quoi si j'en ai un petit ami ? Hey. Femi, salut. Salut. Femi, salut. Tu as besoin de quelque chose ? Non, juste pour voir si vous allez bien et si vous avez besoin de quelque chose. Oh, non, ça va. Tout va bien. T'es sûre, bébé ? Oui. B, tu te rappelles que je t'ai dit que mon père allait recevoir son titre de chef ? Rappelle-toi, je t'en avais parlé, non ? En fait, nous sommes censés aller au village ce week-end. Ouais, je m'en souviens. Oui, bébé, je voulais juste me rassurer. Ok. Pour ce week-end, c'est ça ? Oui. Je suis désolée que ce soit si soudain. Tu vas me manquer. Que ferais-je maintenant ? As-tu fait tes bagages ? Oui. Tu me manques déjà. Mais c'est juste pour le week-end. Je vais vous laisser. D'accord, merci, Femi. Quoi ? Mais. Tu es sérieuse ? Oh mon Dieu ! Oh. Basile. Papa, j'aurais vraiment aimé être là, mais cette interrogation a été programmée à l'improviste. Bien sûr, j'essaierai. Oui, maman. Et papa, félicitations à toi, chef adoré. Ok, d'accord. Bye. C'est fait. Allô? Tari? Je suis en chemin. Ouais, tout de suite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on attend, mec ? Tu as peur ? Non. Va à l'intérieur. Pas besoin de se précipiter, nous avons tout le week-end. Ok, d'accord, tiens. Allez, prends ça, ça va te donner du courage. Ça va perforer et endommager ton foie. Non, merci. Docteur Femi. Oui, j'accepte. Je t'ai pourtant dit de ne pas vendre la cam. Je te l'ai dit. Ne vends pas la drogue. Regarde maintenant ce que t'as causé. Et comment crois-tu que je fais pour payer ton école, petit ? Hein ? C'est ce que je pensais. Dis-moi, comment suis-je ? Splendide ! Je sais, comme mais d'habitude. Tu sais quoi ? Mes chaussures me font mal. Tout oh ça pour un homme. Mais tu as déjà un homme. Je le dis juste. Garde ça pour toi. Je t'ai demandé. Mmh. Si tu en voulais, tu m'as dit non. Tu penses qu'il se rappellera de moi ? Basile ? Bien sûr. En fait, tu sais comment sont ces gars. Quand ils voyagent hors du pays, ils reviennent atteints d'amnésie. C'est vrai ça. Mais sans aucun doute, il se rappellera de toi. Ils sont là.
Va voir, quatre cas. Gars, t'es sûr que ces gens ont voyagé? Ouais, ils ont voyagé. Je t'ai dit qu'ils ont voyagé, donc mec, calme-toi. Mais qu'est-ce que nous attendons alors? Le bon moment. Mec, je te remercie. Merci. Je sais bien qu'il s'agit de ta copine, mais avant tout, c'est la famille, mec. Et je ferai pareil pour toi. Notre vie vaut la moitié de la sienne. Maintenant. Quoi maintenant? Maintenant, c'est le bon moment. Ok, fais vite. Je te fais confiance, mec. Regarde-toi! Dari, tu n'as pas changé! Bien sûr que non! Ça c'est quoi? On a juste un peu. Je suis désolé, vraiment navré, ok? Je n'écoute pas ce que tu m'as dit. Entrez, entrez! Salut! Salut! Comment tu vas? Salut! Comment salut, tu vas? Roladé. La forme? Je vais bien. Tu as tellement grandi! Ah ouais? Oh, s'il te plaît, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Oui, s'il vous plaît. Très bien. Ravie de te revoir, Ola. Mm-hmm. Moi aussi, j'en suis ravie. J'arrive. Je vais mettre mes chaussures. Ok. Tu vas bien? Comment était ton voyage? Pas mal. Ah ouais? Pas mal du tout. Ok. Et comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Super. Alors...
Alors, comment c'était le voyage? Pas mal du tout. C'était bien, n'est-ce pas? Oui, c'était bien. D'accord. Alors, les gars, on y va? Minute, où est-ce qu'on va? 57. C'est encore assez cool. 57? Qu'est-ce que c'est? C'est un snack, mec. Un snack? J'espère qu'il y aura des gars qui sont assez sereins dans ce milieu. Écoute, le gars, pas de sérénité. Mec, ne laisse pas jouer au mec de Londres ici, hein? Non, je ne joue pas au gars de Londres. Je veux juste qu'on soit dans un endroit où on pourra s'entendre, se rapprocher et puis s'amuser. Je suis d'accord avec lui. Totalement du même avis. Exactement. Et en plus, nous pouvons toujours le faire ici. C'est ce qui vous compte. Des liens. Ça serait bien, mais je n'ai pas à boire ici. Je peux en acheter. Mes parents. Ils seront bientôt là. Pourquoi pas chez moi? J'ai à boire et mes parents ne seront de retour qu'à la fin du week-end. Cool, parfait. Ouais. D'accord. D'accord, dans ce cas, on y va? Génial. En route, en route. On y va. Ok. Ok. Attendons qu'elle est finie. Une minute. Allons-y. Louis Vuitton. Allô? Ah, je cherche encore. J'arrive. J'arrive. Ah, mon ami, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Touché vraiment extra. Ces gens ont de l'argent, hein? Ah, ah. Waouh! Ces touches à un système sonore. Où est cet argent, non? Où est-ce qu'elle a dit que cet argent se trouvait? Cette fille a dit que l'argent se trouvait dans la chambre de son père et qu'il y avait une banque à l'intérieur. Où est cet argent? Où est cet argent? Voici la chambre de son père, mais où est le coffre?
nous y sommes. Ouais. Donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Je ne retrouve plus ma clé. Où l'as-tu laissée? J'ai peut-être... Cass! C'était censé être là. Madame? Y a quelqu'un à l'intérieur? Non, non. T'en es sûr? Madame, non, personne n'est là. Personne. Mais la porte est ouverte. Quoi? J'ai pas fermé la porte. Tu peux partir. Je vous en prie. Entrez. C'était fermé. Non, tu l'as pas fermé. Il y avait un homme dans ta tête. Allons-y. Oh. Jolie. Mettez-vous pas à l'aise, les gars. Pas mal. Bienvenue. Bienvenue, les gars. Ok. Faites comme chez vous. Merci. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Et qu'est-ce que tu as? Bah, j'ai tout. Tu as tout? Ouais. Où sont tes gens? Mon père. Il devait recevoir un titre de chef ou je ne sais quoi. Merci. Alors il devait aller au village. D'accord. Mais ouais. Est-ce pour une raison personnelle que tu n'es pas là avec eux ou quoi? Hola. Pourquoi n'es-tu pas allé avec eux? Ils ont dit que j'étais pas obligée, donc. Dans ton verre que je te sers? Merci. Oui, merci, okay. C'est bon. Ok. Gentil. Pas de quoi. Et enfin le mien. Donc tu as toute la maison pour toi seule? Ouais, nous l'avons. Quoi de neuf avec ton ami? Quoi de neuf avec tes copines de Londres? Carrie, pourquoi tu veux m'empêcher de m'approcher de cette fille? Je n'ai pas de copine à Londres. Ah, vraiment? Avec ce grand torse et tous les vêtements swag que tu n'as pas eu de copine à Londres? Oh, Carrie, tu n'es pas une enfant. Tu n'es pas une enfant. Écoute, tu me connais. Je n'ai pas de copine à Londres. Je ne te connais pas. C'est quoi ton nom déjà? Vraiment? Oh, Basile.
Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Toi, tu ne me fais pas confiance pour être avec ton ami? Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Vous êtes tous les deux des adultes, donc... D'accord. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Tu ne le sais même pas. Oh. Quel que soit ce qu'elle veut. Quel que soit ce qu'elle veut. Arrête de... Barry, est-ce que je pourrais te voir à l'étage? Bien sûr. Maintenant. Après toi. J'arrive. Rosa, cette fille est belle. Garde la main, c'est comme une déesse. T'as raison là. Je n'ai pas encore vu pareil femme. Sérieusement. Alors, dis-moi, c'est ainsi que vous passez du bon temps, n'est-ce pas? C'est pas vrai, mec, écoute. Raconte-moi. En même temps, c'est pas aussi facile que tu le crois. Pourquoi m'as-tu appelé? Qu'en penses-tu? C'est à lui que tu devrais poser la question, pas moi. Si, je t'en prie. Tu le connais mieux que moi. Chérie, tu as toute la soirée pour le savoir. Entre-temps, as-tu parlé avec notre très chère Femi? Non, pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais l'appeler? Enfin, pour lui dire à quel point est beau ton village, Otsuka. Très drôle. Ma chérie, honnêtement, je ne sais pas ce que tu fais. Femi est un garçon. Femi est intelligent, Femi est très mignon. Mais... Mais quoi? Oh là, mais quoi? Femi est mon idéal. Et alors? Comment ça y est alors? Femi est... Il est un peu naïf. Il est trop poli. Je ne sais pas. Mais je pense être une fille bien qui aime les mauvais gars. Oh, pardon, où est la fille bien? Ah, ok, c'est toi la fille bien. Eh bien, j'espère que tu es au courant que Basil retournera en Jade. Je le sais. Ok, je le sais. C'est juste pour un jour, d'accord? Je ne vais pas rompre avec Femi, pourquoi tu me regardes comme ça? D'accord. Si tu le dis. Oui. Eh bien, il est intéressé. Bien sûr qu'il l'est, je le savais, je vais dire. Regardez-moi ça. Oh, s'il te plaît, calme-toi. On y va. Écoute, si ma mère découvre que j'ai oublié de fermer la porte de cette maison, elle me tuera. Dans ce cas, tu diras à ta mère que tu as laissé la porte ouverte à cause d'un homme. À cause de... un homme. Regardez qui parle. Un homme. Allons-y. Non, nous étions sur le parc et nous regardions comment ces gens travaillaient. Et mes amis qui disaient, yo mec, regarde la fille qui se trouve là sur le pont. Il y a Dieu de répondre, vient juste d'arriver à Londres. Je ne comprends plus. Suis-je venue ici toute sapée pour regarder la télé? C'est de ta pote. Ton ami, pas mon ami. Bien, nos amis. Et tout le monde regardait juste, tu vois. Regarde-les. Oh, et le gars l'a fait, je t'assure. Ne me dis pas. Oh, merde. Allez, calme-toi, chérie. Mais c'est quoi ton problème? C'est moi. À quoi ça te concerne? ça te dérange autant? Sérieusement, je comprends plus rien. Tu deviens jalouse, quoi? Vraiment? C'était ça? Salaire. Attends, Chris, calme-toi. Quand j'étais ici, je ne me rappelle pas que tu étais tout aussi grande. Vraiment? Oui. Quand je dis que tu es grande, sache que tu as vraiment grandi. Qu'est-ce qui est drôle? J'ai plus le droit de rire? Tu es vraiment belle. Merci. Alors, Ola, qu'allons-nous faire durant toute la nuit? Nous pouvons jouer des jeux comme des jeux de cartes,
Ou Monopoly? Ou le Ludo? Ah ah! Ça fait longtemps que j'ai plus joué au Ludo. Qu'en penses-tu? Ce que je pense? Trudeau peut être si possible. Voyons, nous ne sommes pas au collège. T'es sérieuse? J'ai pas de Ludo. Tu es sûre que tu n'as pas de ouais. Ludo? Oh, désolée. Es-tu sûre que tu n'as pas de Ludo? Ça sent vraiment bizarre. Peut-être que nous devons arrêter. Voyons, qu'en penses-tu des charades, des crackers ou des devinettes? Oui, des devinettes. Et nous avons besoin de la nourriture. Nous avons besoin de nourriture pour absorber tout cet alcool, enfin. D'accord, de la pizza. Parfait. Mmh. Oui, bien sûr. Ah. Oh mon Dieu, je... Tu en veux? Ah oui, bien sûr. D'accord, je viens te rejoindre. Que tu fais? Tu as dit que tu voulais de la pizza, j'essaie d'appeler. Mon ami, je te parle de Basile. Tu ne le laisses même pas essayer. Je t'en prie, on n'est plus des gosses, ok? Je sais ce que je veux, il sait ce qu'il veut, et c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien. C'est à moi de te demander ce qui ne va pas avec toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mère Teresa, je te remercie. Mais je peux prendre soin de moi toute seule. Vraiment? Oui. Je crois que tu devrais vraiment aller doucement. Si, comme je te l'ai dit, ça n'arrivera qu'une fois. Rien de sérieux. Alors, qu'en est-il de Femi? Que fais-tu de Femi? Femi est un gamin. Crois-moi, il ne sait même pas à quoi ressemble le corps d'une femme. Ah oui? Ouais. Et que fais-tu encore avec lui? Quoi? Je sais pas. Si je voulais le conseil d'une mère, j'aurais appelé la mienne. Donc, je t'en prie, garde les tiens. Ok. Bien, bien, bien. Je vais te laisser te calmer. J'aurais besoin d'un poulet rôti. Ce que Femi ne sait pas, ne lui fera pas de mal. Ok. Thank you.
Ah, mais qu'est-ce qui dérange ce gars, non? Putain, mais qu'est-ce qu'il dérange? Putain de merde! Oh. Oh, putain de merde, bordel! Putain de merde, qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Oh. Bordel de merde! Ok. Très bien, merci, bye. J'étais censée savoir où ça se trouve. Carré. Oh, tu n'es pas supposé être ici. Je sais, je... C'est vraiment pas ce que tu penses. C'est juste que... Qu'est-ce que tu fais ici? Harry, calme-toi. Je vais tout expliquer, relax. Femi! Quoi? Une minute les gars, je vais chercher un tire-bouchon. Oh! Ah! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux me faire mal? Excuse-moi, désolée. Oh, c'est pas vrai. Femi! Oui, bébé, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais là? Hé, hey, Rolade, comment? Femi! Comment tu vas? Ouais, je vais expliquer. Je peux expliquer, vous voyez? Les gars, c'est difficile à expliquer, vous voyez. Tu es dans ma maison. Comment? Pourquoi? Qui? En fait, qui est-ce? Je suis entré par la porte arrière. La porte arrière est fermée. Non, elle est ouverte. Elle est ouverte. Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis venu te voir. Je pensais t'avoir dit que... Pourquoi pas la porte principale? Parce que je voulais te surprendre. Donc, tu voulais me faire une surprise? C'est qui ça? Je n'étais pas censée. Tu ne savais pas que tu me trouverais. Je savais que tu serais à la maison. Je le savais. Comment? 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 Oui. Comment? Comment as-tu su qu'elle serait à la maison ce week-end? Elle en a parlé. Non, pas du tout. Oui, tu l'as fait. Rappelle-toi sur le canapé. Tu sais, quand... Tu t'en souviens pas? Oh, oui. Non, t'en je as veux fait dire... mention? Oui. Bien sûr que oui. Ouais, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Ah, Femi. Ça va. C'est pas un problème, ça si va. T'as oublié. Ça va. Joins-toi à nous. Nous okay. faisons une fête. D'accord, cool. Tari, désolé non, de t'avoir fait va. Peur. Ok. Roladé, ouais, comment ça va? Oh, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, il est juste venu, je sais même pas comment.
Allons-y. Je voulais juste prendre le tirage. Ouais. Est-ce que tout va bien? C'est vrai. Ok. Oh mon Dieu. Moi, c'est Femi. Basile. Ravi de faire votre connaissance. Pareil pour moi. Alors Femi, dis-moi, quoi de neuf, mec? Ça fait un bail. Ouais. Ça fait longtemps. Je t'ai manqué à la fête de Tari. Je t'ai pas vu, n'est-ce pas? Oh, oui. Je t'ai cherché Basile à l'aéroport. Oh, de l'aéroport. Ouais. D'où tu viens? Je reviens juste de Londres, il y a pas longtemps. Oh, je vois. Donc, tu es l'un de ces... Je viens d'arriver. Ces gars qui reviennent de l'étranger, quand ils reviennent, ils veulent nous piquer nos copines. De mauvais garçons, je vois. Personnellement, je n'apprécie pas le temps, mais... Peu importe. Femi, tu veux boire quelque chose? Quelque chose de fort? De fort? Femi, tu prends pas d'alcool. Tu sais, il y a une première fois toute chose, Olé. Ok, t'en fais pas, je vais te chercher quelque chose de léger. J'ai dit quelque chose de fort. Merci. Ok, d'accord. Tari, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. Alors, Femi? Mais d'où est-ce que tu sors, mec? De l'école. Ah ouais, c'est vrai. J'ai appris que le professeur Ngidja envisage de faire une évaluation jeudi. Il n'a pourtant jamais annoncé qu'il ferait une évaluation. Écoute, mec, je sais qu'il fait pour surprendre les étudiants qui n'assistent jamais à ses cours. Femi? Ouais. Ouais, j'ai entendu la même chose. Mais nous sommes à la fête, non? Pourquoi parler de l'école? Ouais, parce que... Une minute, s'il te plaît. Je vais... Ce gars est bizarre. Non, il l'est pas. Écoute, c'est sa meuf. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai de la sorte, tu vois. Sa petite amie. Ouais. Oui. Numéro 6, Aditokumo. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Merci, au revoir. Voilà. Merci. Ouais. Alors, avec qui... Avec qui tu parlais? Maintenant, je comprends. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il l'a rencontré? Mec, on était dans la même classe. Mais... Pourquoi t'es sorti avec lui? Il n'est pas... Tu sais, comme... Écoute, mec. Elle a aimé. Tiens. C'est quoi ton problème? Voilà. Tu l'as cru? Je pense. Ça, j'ai fait mis. C'est pas comme si... Il était dans sa cuisine. Ok. Comment il est entré? Bébé, dis-moi, est-ce que je n'entre pas souvent dans la cuisine? Sois sérieux, s'il te plaît. Rappelle-toi, sa porte était ouverte. Écoute, si Olen n'a absolument aucun problème avec tout ce qui se passe, alors moi aussi. Écoute, je pense que... Alors mec, je pense que... Écoute, c'est quoi? C'est juste que... S'il te plaît, oublie. D'accord. Mais je suis confus. Tari, tu aurais dû me le dire. Nous avons commandé une pizza. La pizza est notre dîner. Est-ce que c'était la police? Non, ça aurait dû être la police.
Oh non, c'est juste que tu m'as manqué. C'est pour cela que je suis venu. Ouais. Ça va entre nous? Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas? Ok, cool. Je peux jeter un coup d'œil à ton téléphone? Pardon? Tu veux voir dans mon téléphone si j'ai appelé la police? Femi, est-ce que je devrais m'inquiéter là? Non, non. Tu sais, c'est juste que... En passant, c'est qui ce gars? Qui? Basile, ouais. Basile, ouais. Ah, c'est un ami de Roladé. Pourquoi est-ce que tu mens? Je ne mens pas. Et toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de moi? Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que tu ressens? Quels sont tes sentiments? Est-ce de la haine? L'amour? Le désespoir? Quoi? La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais mon petit ami. Comment je suis censée me sentir? La dernière fois que j'ai vérifié, t'as arrêté là-bas, avec son petit ami. Et toi, t'es avec... L'ami de Roladé. Un gars qui n'est pas ton petit ami. Je viens juste d'arriver. Gare. Pourquoi tu m'as dit que tu ne voyagerais plus? Tu as dit que je l'avais fait. Je ne sais pas ce qui te passe par la tête, mais j'ai besoin d'un verre d'eau. Alors, je t'en prie. Tu sors avec quelqu'un d'autre, pas vrai? Femi, je ne sors avec personne d'autre. Ne me mens pas, je t'ai vu! Femi, je pense que tu dois partir. Pourquoi? Afin que tu sois seule avec lui? Afin que tu me tombes? N'est-ce pas? Quoi? Qui penses-tu que je sois? Un enfant, n'est-ce pas? Lâche-moi. Tu penses que je suis un enfant, n'est-ce pas? Femi, tu me fais mal. Donc, je te fais du mal, c'est ça? Suis un enfant, tu me fais mal, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Arrête! Serre-toi, tu m'agresses! Tu veux me tromper, c'est ça? Tu penses que tu peux me tromper, n'est-ce pas? Serre-toi, tu m'agresses! Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis désolée. Est-ce qu'il va bien? Ce gars a obtenu une moyenne générale de 4,84, mec. Trop fort. Ce gars est un geek? Tout à fait. Je comprends que tu restes sceptique, mais ce gars ne ferait pas du mal à une mouche. C'est un vrai peureux. Vraiment? Depuis combien de temps sortent-ils ensemble? Environ 6 mois. Ola, est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien. Alors, tu penses que son petit ami est venu à la maison quand sa famille n'était pas là? Nous ne sommes pas sûrs que c'est ce qui s'est passé. Bien sûr que c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi Ola et toi pensez différemment. C'est une façon de parler. Peut-être qu'il est passé le fait une surprise. Vraiment? Et il est entré par la porte de derrière. Est-ce que je n'entre pas seulement par la porte arrière? Chez toi? Pas quand je suis censé être là. Tari a raison. Voyons, on parle de Femi là. Femi le poltron. Nous sommes à la résidence Adéry. Tu ne comprends rien du tout, toi. Peut-être que quelqu'un l'a payé pour venir empoisonner le type, qui sait? Allez, mais c'est ridicule. Tu le penses vraiment? Ok, attendez une minute. Elle a tout à fait raison. Peut-être pas entièrement, en parlant de poison, c'est peut-être exagéré, mais jette un peu un coup d'œil autour de toi. Je veux dire... Casse! Madame? Quelqu'un est venu dans cette maison avant moi? Ah, madame, pas du tout, hein. Personne d'autre n'est entré dans cette maison, non, non. Tu en es sûr? Ah, madame, je connais mon travail, je sais ce que je fais. Tu n'étais pas devant le portail à mon arrivée.
Ah, madame, écoutez. Ah, je suis juste allé là-bas. Je suis allé prendre quelque chose là-bas. J'ai fait genre 30 secondes. Et juste après que je... Juste après moi? Madame, madame, c'est juste vous et vos amis qui êtes entrés. En dehors de vous, personne d'autre. Je sais ce que je fais, madame. Madame, je maîtrise mon travail. Je sais ce que je fais ici. Je ne suis pas un petit enfant dans ce travail quand même. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit que personne n'est entré. Peut-être qu'ils l'ont planifié ensemble. Ah, Tari, je pense pas que Femi soit capable de faire un truc du genre. Ça va trop loin, là. Hey, Femi, c'est un voleur. Honnêtement, je sais pas. Oh, écoute, ma puce, c'est pas comme si je ne l'aimais pas. Qu'est-ce que ça peut donc bien être? Il était en fait venu me faire une surprise. Oh. Une minute. Ton gardien a dit qu'il n'a vu personne entrer? Oui. Alors, comment est-il venu pour la surprise sans être vu? Oui. Comment ton peu regard est-il entré? Écoute, Ola, je n'essaye pas d'être drôle, mais je pense que tu dois appeler la police. Bien? Oui, ça va. Mais qui est-ce? Je sais pas. Laisse-moi regarder. J'arrive. Oui. Madame, il dit que vous avez commandé une pizza. Ouais, merci Cass. Je connais mon boulot. Je connais mon boulot. C'est toi le livreur de pizza? Oui, madame. Est-ce que vous avez votre POS? Oui, mais ça ne coûte que 40 naira, donc je préfère le cash. Ok, donnez-moi une minute. Je vais chercher le cash. D'accord. Femi, tu me déçois, mec. Sérieusement. Je pensais que tu as dit que c'était un geek qui ne peut faire de mal à personne. Tu es chanceux, mec, tu es chanceux. Si tu étais quelqu'un d'autre, j'allais t'éclater, mec. Tu es vraiment chanceux, crois-moi. C'est le livre de pizza. Tu es un homme chanceux, tu sais. Tu as de la chance. Ok, c'est ça. Vous pouvez garder la monnaie. Ok. Excusez-moi, ouais. Madame. Vous savez, ce genre de gars prennent des choses à Londres sans se casser. Ils prennent des choses sans se casser. Juste parce qu'ils sont gentils. Tu es un homme chanceux, mec. Je ne sais pas pourquoi vous aimez ce genre de personne. Pids. Oh mon Dieu. Hey, allez, tout le monde se calme. Du calme. Et personne ne sera blessé. Allez, toi, va de l'autre côté. Et Femi, viens de ce côté, mec. Viens de ce côté. Et ouais. Restez calme, restez calme.
Relax. Attends, tu le connais? Hé, hey, toi, ferme-la. Écoute, regarde-moi, reste calme, d'accord? Où était ton téléphone? C'est peut-être à l'étage. Peut-être? Tu m'as dit qu'il n'y aurait personne ici aujourd'hui. C'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit que... Qui ça? Elle? On a jusqu'à 4 personnes à la maison. Tout le monde derrière nous. Bordel de merde. Bon, où est l'argent? Mais putain, ne me perds pas le temps. Où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Pas d'argent. Tu ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Il n'y a pas d'argent. Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Pas d'argent. Non, mais comment ça? Je ne sais pas, mec. Il n'y a vraiment, vraiment pas de fric dans cette maison. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pas maintenant. Si seulement vous m'aviez écouté. Qu'est-ce qu'on va faire? Ferme-la! Donc tu es en train de dire qu'il n'y a l'argent nulle part? Il n'y a de l'argent nulle part, mec. J'ai fouillé partout. Il n'y a vraiment pas d'argent. Tu m'as dit que le monsieur avait un coffre-fort, non? C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit! Putain, merde. Donc tu veux me faire croire que, en fait, il n'y a aucun coffre-fort dans cette maison, c'est ça? Je ne sais vraiment pas. Mais où est-ce que tu vas, non? Toi, reste là. Il est parti. Femi est tout seul et il n'est pas armé. Je ne pense pas. C'est juste Femi qui est resté et je crois qu'il n'a pas peur. Qu'est-ce que tu cherches? L'argent. Il n'y a pas d'argent. Alors où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. Où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. Où est l'argent? Où est l'argent? Putain de merde. Où est l'argent? Putain de merde. Il n'y a pas d'argent. Où est l'argent? Où est l'argent? Putain de merde, où est l'argent? Où est l'argent? Où est l'argent? Il n'y a pas d'argent! Où est l'argent? Mon gars, Écoute, recule maintenant. Nous pouvons discuter, d'accord? Comment je t'appelle déjà? Dis-moi lequel tu préfères, bébé. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Ah, super, on va bien s'amuser. Allez, viens là, ma poule. Viens là! Reste où tu es, tu veux qu'on parle de quoi? Mec, tout ce que tu veux. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Basile? Jay? Hey, comment tu es sorti? Je viens juste de rentrer, mec. J'ai même pas reçu de coup de fil et tu m'as même pas dit ce qui s'est passé. Mon gars, tu sais ça. Tu le sais, ça m'est sorti de la tête. Tu le sais. Hey, Jay, comment tu le connais? Je vais te le dire plus tard, mec. Hey, vous pouvez vous asseoir sur le canapé, allez-y. Tu le connais? C'est une très longue histoire. Levez-vous. Comment tu le connais? C'est le gars dont je t'avais parlé, mec. Mon type d'Afrique du Sud. Je t'avais parlé de lui. Le type avec qui je faisais des affaires à l'époque. Tu te rappelles? Ah, le type qu'on avait arrêté. Ouais. Voilà. C'est lui le type? Ouais, c'est bien lui. Je viens juste d'arriver. Le gars vient d'arriver, il voulait impressionner. Il voulait faire comme s'il était meilleur. Eh, hey, calme-toi. Et maintenant, regarde-toi. Bon, moi j'arrive. Surveille les arrières. Attends. Ces trois-là, je ne
peux pas les surveiller juste avec ça. Tiens. Quand lui, ne l'utilise pas, mec, ok? Surtout, joue pas au con. Allez, on y va, ma belle. Je viens juste d'arriver. Hein? Je viens juste d'arriver. Regarde-toi. Tu ne parles plus. C'est une sacrée chambre. Ouh. C'était encore quoi ton nom déjà? C'est Ola ou Ola? Ola. Oh, Ola. Es-tu Yoruba? Non. Est-ce que ta maman est Yoruba? Non. Tu es vraiment très belle. C'est-à-dire que, en fait, tu es vraiment, vraiment, vraiment très belle. Ouais, tu es vraiment bien. Tu sais, mon petit frère, il t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il est venu me voler. Ah, non, 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 pas du tout. Écoute, la vérité, c'est que c'est pas vraiment de sa faute. D'accord? C'est moi qui lui ai demandé de m'aider. Tu sais, on était censé porter des masques. Mais on a cru que, en fait, que ça allait être très facile puisque personne devait être à la maison. Voilà. Mais en fait, pourquoi t'es pas sorti? Je ne me sentais pas bien. Oh. Je suis vraiment désolé pour ça. Tu devrais te reposer après m'avoir montré où se trouve l'argent. Écoute, nous ne voulons pas tout l'argent, d'accord? Nous voulons juste un peu d'argent. Juste un peu. Il n'y a pas d'argent. Ton père n'est donc pas un politicien? Dans ce cas, il devrait y avoir de l'argent dans cette maison. Dis-moi où ça se trouve. Mais mon père ne garde pas d'argent à la maison. Tu... Ton père, en tant que politicien, n'a pas d'argent dans sa maison? Non, tu peux pas me faire croire ça. Je vais trouver cet argent, je te jure. Je vais trouver cet argent. Où est-ce que c'est, putain? Je vais trouver cet argent, merde. Où que ce soit, je vais trouver cet argent, je te jure. Je vais trouver cet argent. Où est-ce que c'est? Peu importe, la cachette, je vais trouver cet argent, je te jure. Oh oui. Oh, je vais trouver cet argent. Oh, tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas, Miss. Tu ne me connais pas du tout. Attends, attends. T'es sûr qu'il n'y a pas une cachette secrète par ici? Si je le savais, ce ne serait plus un secret, pas vrai? Ça, c'est vraiment du lourd.
Donc. Toi. J'espère que tu sais que tu ne t'en tireras pas. Tari. Assieds-toi. Toi. Je t'ai demandé de t'asseoir. Pour ton information, il y a des caméras partout. Tari, calme-toi. Tu la fermes. Oh, vraiment? Ok. Montre-moi. Oh. Elles sont cachées. Elles sont cachées. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors assieds-toi. Regarde les caméras cachées et montre ton laid visage. Toi et ton... Pour la dernière fois, tu la fermes. Je t'en prie, calme-toi. Okay. Calme-toi. Toi. C'est quoi ton nom déjà? Basile. 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 Viens, viens, viens là. Viens. Viens. Assieds-toi et parlons de ton... Je viens juste d'arriver. Tiens. Bois. Ça ira, merci. Bois, j'insiste. Allez. Alors, je viens juste d'arriver. De quel pays encore? De quel pays? Tu viens juste d'arriver, mais d'où? Je veux savoir. De Londres. De Londres. De Londres. Oh, ouais, Roladé, c'est ce que t'as dit, n'est-ce pas? Ouais, de Londres. Que veux-tu dire? Afrique du Sud. Ouais. T'es le gars qui veut coucher avec ma petite amie, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Elle voulait que quelque chose se passe, pas vrai? Je ne peux pas. Je ne peux pas quitter cette maison les mains vides, putain. Je te jure, je ne peux pas quitter cette maison les mains vides. Je dois trouver quelque chose, putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, putain? Des bijoux? Ouh, c'est pas mal, ça. Ok. Ça pourrait faire l'affaire, chérie. Ouais, c'est cool. Ouais. Tu es vraiment trop belle. Mais bon, c'est pas important. Allez, on y va, miss. Laisse-moi. Allez, viens là, on y va. Allez, bouge. Avance. Allez. Il ne s'est rien passé. Oh, vraiment? Mais tu voulais que quelque chose se passe. Écoute, il ne s'est rien passé. T'as traqué ma petite amie. Je l'ai vu, surtout pas de mensonge. Ne mens pas. Et si ce n'était pas grâce à Tari ici présente, tu l'aurais fait. En passant, Tari. Ouais, Tari. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, j'ai raison. Oh, j'ai raison. Que s'est-il passé? Tu
tu as trouvé l'argent? Rien de bon, mec. Juste quelques bijoux. Pas d'argent? Ouais, rien. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Coco? Qu'est-ce qu'on fera? Je ne sais pas, mec. Nous allons vendre les bijoux et trouver une solution. T'es avec nous, non? Ok, d'accord. Allez, on bouge. J'ai besoin de parler à Olé. Et petit, nous n'avons pas le temps pour ça. Partons. J'ai besoin de causer avec elle. Parce que je ne la reverrai plus. Pas après tout ceci. Cinq minutes. Mais où est-ce que vous allez, mec? À l'étage. Mais vous ne pouvez pas discuter dans la cuisine, Waya. J'ai ruiné ma vie à cause de toi. J'ai ruiné ma vie. Et t'es censé être le grand frère, n'est-ce pas? Si j'ai dit 5 minutes, ça veut dire 5 minutes. Allons. Tu as bu, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'alcool. Je vais bien. 5 minutes. 5 minutes. Est-ce que je peux avoir le couteau? Sinon, comment ça va? T'asseoir. Tu sais, j'aime cette chambre. Elle est grandiose. Femi. Tu es venu me voler, Femi. Je pensais t'avoir donné tout ce que je pouvais. Je t'ai tout donné. Tu sais, ce que tu viens de dire, c'est à l'homme. C'est à l'homme de le dire. Alors? Assieds-toi. Je suis mieux debout et... Assieds-toi! Donc c'est parce que j'ai de l'argent et toi pas? Je ne devrais pas te donner toutes ces choses parce que... C'est le rôle de l'homme. Femi, l'unique raison pour laquelle je t'ai donné toutes ces choses, c'est à cause de mes sentiments pour toi. À présent, je continue de t'aimer, Femi. Aimer? Aimer. Oh mon Dieu. Aimer. Tu sais, quand tu m'as demandé ce que je suis venu faire ici, et je t'ai dit que j'étais venu te surprendre, je mentais. Je venais pour te surprendre. Je suis venu prendre l'argent de ton père. Tu veux dire voler de l'argent à mon père? Je pensais que tu étais avec ta famille. Toi et moi savons que ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Mais je suis tombée malade et j'ai pas pu partir. Tu étais malade. Bien. Très bien. Bien sûr. Mon Dieu. Tu sais qu'avant que tu n'arrives, j'étais déjà dans cette maison, n'est-ce pas? Tu le sais, pas vrai? Je suis monté à l'étage, j'ai fouillé tes affaires. J'ai... humilié tes vêtements, tes choses. Tu es vraiment dingue. Ça m'a rendu heureux et ça m'a fait penser à toi. Tu sais, puis je suis venu à l'étage. Je me suis couché sous le lit.
Je pensais que t'allais me trouver et... Et je t'ai entendu. Et je t'ai entendu me traiter de naïf, de très jeune et très poli. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être très poli? En quoi est-ce que ça dérange d'être très poli? Olé. Hein? Hein? Est-ce que c'est une mauvaise chose d'être très poli, Olé? Réponds-moi! C'est comment de l'autre côté? C'est dur de l'autre côté, mec. Je sais, mec. T'es sûr qu'ils ne t'ont pas chassé de là-bas? C'est bon, mec, calme-toi, on peut plus blaguer avec toi ou quoi. Et... Écoute, mec, ces gars ne savaient pas que j'étais en Afrique du Sud. Je leur ai dit que j'étais à Londres, donc je ne veux pas d'embarras, mec. Hey, calme-toi, mec. Calme-toi, t'inquiète pas, mec. Donc, maintenant, tu trompes les gens. Tu sais que je suis un gars africain, mec. Ton type dit toujours ce que les gens veulent entendre. Ah, ok, alors, sois garde posé, le tout, mec. Toi-même, tu sais que nous sommes dans le même business, donc calme-toi. Sois posé. Pourquoi avez-vous fait ça? Ah, mon frère. J'ai fait une affaire qui m'a emporté des ennuis, je te jure. Bref, on va parler de ça plus tard, ok? Femi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais, tu sais, j'ai essayé d'être très bon avec toi. Il y a quoi de bon à me voler? Tu sais, j'ai essayé de t'aimer alors que toi tu es là. À essayer de te coucher avec un autre gars. Hein? De coucher avec un autre gars. Et ce gars s'est présenté à moi. Il avait cette arrogance envers moi. J'ai juste envie de lui donner un coup de poing à la figure. Je voulais juste lui casser la gueule. Et je sais que je l'ai fait. J'aurais juste aimé frapper plus fort. Et après, tu sais, je maintenant que j'y pense, tu lui as donné le feu vert. Tu t'es bien habillé pour lui. Tu as donné tous les signaux. Des signes que tu ne me donnes pas. Moi, ton petit ami. Femi, c'est toi l'homme. Tu es censé diriger. C'est moi l'homme, Femi. Et je suis censé prendre des initiatives, pas vrai? Femi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, les gens ne sont pas toujours ce qu'ils disent être. Sais-tu comment? Mon frère connaît Basile. Est-ce que tu sais comment mon frère a connu Basile? Ils utilisaient le même cybercafé pour escroquer les gens à l'époque. Ouais. Et après, Basile a voyagé pour Liverpool, c'est ça? Désolé. Ah, Dieu, les gens. Bien, maintenant, désolé de te mettre les bâtons dans les roues, mais... Mais ton monsieur... Je viens juste d'arriver. De prison. Ouais. D'Afrique du Sud. C'est un voleur et un criminel. Qu'est-ce que ça te dit maintenant de coucher avec un autre gars? Tu sais... Oh. Tu sais, je le jure, je ne t'ai jamais vu avec ce genre de vêtements quand tu étais souvent avec moi. Les nouvelles. Femi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ouvrir la porte? Tu sais, quand
Tu sais, quand j'étais dans la cuisine, tu as dit quelque chose. Tu m'as traité d'enfant. Oh mon Dieu. Je ne comprends pas, ça m'a fait mal, je le jure. Tu m'as traité de gamin, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir, pas de problème. Tu as dit quelque chose, j'ai entendu. Quand je... Dans la cuisine. Tari et toi. Tu oui. étais... Oui, j'étais là. J'étais caché derrière une étagère ou quelque chose, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, c'est cool, cool, cool. Tu as dit beaucoup, beaucoup de choses. Mais t'as dit quelque chose de très profond, quelque chose. T'as dit que tu savais ce que tu voulais et je sais ce que je veux. Et si nous ne voulons pas la même chose? Je n'en sais rien. Certaines personnes pourraient ne pas vouloir la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Femi, qu'est-ce que tu fais? Laisse-toi aller. Femi, qu'est-ce que tu fais? Chut, du calme. Femi, je t'en prie. S'il te plaît. Femi, s'il te plaît, Femi! La ferme! La ferme! Femi, je t'en prie, s'il te plaît. La ferme, t'es belle. Je t'en prie. Pitié, reste tranquille. La ferme! La ferme! La ferme! Voilà, c'est ça, mec. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Fais-moi. À l'aide! À l'aide! Bon, ça va, allez-y. Toi aussi, vas-y. Femi, ouvre la porte! Ouvre cette porte! Ouvre la porte, Femi! Ah, aidez-moi! Ah, laisse-moi tranquille! Attends, mais... C'est quoi ton problème, mec? Hein? Blague! Et merde, qui gâche? Hé, mec, j'ai pas de Jay, tu connais? Hé, Jay, calme! Bouge pas, si quelqu'un s'amuse encore, je tire! Qu'est-ce qui ne va pas, mec? Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? C'est quoi ce problème? Tout va bien. Allez, partons. Je ne vais pas. Mec, partons. Je meurs de soif. Ok, tu as soif. Mais descends donc, mec, il y a de l'eau en bas. Tu vas boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. Je veux boire de l'eau. Mais mec, il n'y a pas d'eau ici, putain. Partons. Tu dois boire de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a sûrement de l'eau quelque part. Putain, faut qu'on parte, Femi. Faut qu'on... Je te l'avais dit. Oh mon Dieu. Je t'ai dit qu'il y a de l'argent ici, mec. Il y a beaucoup d'argent là, oui. Ouais. Tu l'as dit, mec, je te crois maintenant. Espèce de bâtard. Espèce de bâtard. Bâtard. Espèce de bâtard. Hé, doucement. Hé, fais vite. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Hé, relax. Bébé. Je t'aime. Ouais, moi aussi je t'aime. Je t'aime. Toi aussi. D'accord. Tu as planifié tout ça. Tu l'as fait avec eux. Ne me touche pas. Calme-toi. Laisse-moi. Hé, hey, mec, calme-toi. Allez, sortez. Oh. Qu'est-ce que... Hé, hey, Femi. 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 Femi.
regarde l'argent, mec. Regarde l'argent, on a tout fait, Femi. On a tout fait, Femi, on a beaucoup d'argent. Regarde, hé, Femi. Hé, Femi. Jay, 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 lève-toi, lève-toi, Jay. Allez, mec, lève-toi. Jay, tu calmes, Jay, Jay. On a beaucoup d'argent, mec. Jay, allez, mec, ressaisis-toi, mec, tu calmes. Jay. Hé, hé, mec, mec, Jay. Réveille-toi. Allez, Jay, lève-toi, 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 Jay. Réveille-toi, Femi. Réveille-toi, réveille-toi, Femi. Non, non. C'est terminé pour lui, mec. Elle merde, réveille-toi, Femi. Allons-y, mec. Allons-y, mec. C'est fini pour lui, mec. Jay. Réveille-toi. Allez, Jay, amène-toi. Amène-toi, lève-toi. C'est terminé pour lui, Jay. Il n'y a plus rien à faire. Allons-y, allons-y, les gars. Allons-y. Lâche-moi, lâche-moi. Allez, Jay, lève-toi. Lâche-moi, mec. Lâche-moi, mec. Lâche-moi.